T'as dit quoi? En fait, je me suis mariée avec mon mari dans mon pays d'origine. Oui. Il a fait Cococo, il a fait les dots là-bas. Après, quand je suis venue ici, il m'a fait venir. Et quand je suis venue ici, je me suis rendu compte qu'il est marié. Ma chérie, tiens, tenez, touchez aux assiettes là. Sors de la cuisine. Oh! Oh, tu es en train de faire un travail chez moi là, c'est à cause de ça. C'est mais, pas le faut quitter, ce qu'ils sont en train de faire là, ma chérie. Le monsieur, il fait du bruit comme ça. Ok, coach, je quitte alors, je vais partir de l'autre côté. Là, c'est bon? Oui. Oui. Coach, voilà mon problème. Mon pays d'origine, et mon mari, il m'a amené ici en Europe. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'il est marié ici légalement. Je fais comment là? Je suis vraiment dépassé, coach. Je traverse des moments difficiles en ce moment. Attends, tu es titulaire dans ton pays et ici en France tu es Chisa. Oui, en fait mon mari, on est presque de même famille. On s'est marié là-bas, tous les parents sont au courant, mais les parents ne sont pas au courant qu'il est marié ici en France. Ah, donc le monsieur qui t'a marié là, il a une femme ici en France. Oui. Donc tu es sa deuxième femme. Oui, je suis la deuxième femme, mais sans que je n'étais au courant qu'il était déjà marié ici officiellement. En fait, il a signé les documents avec la dame à la mairie, tout et tout. Et il est venu me marier en Afrique là-bas. Mariage continué. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte. Parle fort, ma chérie, on n'entend rien. Quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte qu'il est déjà marié officiellement ici, en France, à la mairie. Et là, je sais plus ce que je vais faire. Je suis dépassée, coach. Hein? Oui. Il vient sûrement que les week-ends. Et puis les week-ends, là, il vient sûrement à partir de 17h. Et il part chez moi à 20h. Quand je lui dis... SM! Hein? Quand je lui dis de laisser avec moi, on n'a qu'à passer la nuit. Refait. Depuis que je suis venue, c'est ce qu'il est en train de me faire. Du coup, j'ai fait les recherches jusqu'à les hommes m'ont dit qu'il est marié ici avec une autre femme. Et cette femme-là lui a amené à la mairie. Ils ont signé les documents, tout et tout. Et là, je ne sais plus comment faire. Mais est-ce que tu essaies d'expliquer à tes parents? Oui, j'ai même appelé. J'ai appelé au pays, j'ai expliqué. Ma sœur m'a dit que... Parce qu'au début, quand il faisait les choses bizarres que je ne comprenais pas, qu'il venait sur moi que les week-ends et quand ah, il... Ah, c'est Dragon! C'est Dragon que Rachel a envoyé. C'est pas Dinosaure. Oh, Dragon, mais vous savez, les dragons, dinosaures, c'est la même famille. Hein? C'est les mêmes animaux. Hein? Ah, Rachel. Hein? Oui. Oui. En fait, quand je suis arrivée, il venait chez moi que les week-ends. Et quand j'ai commencé à me plaindre, même quand il ah, dit Dragon est parti chez qui? Chez Rose? C'est chez Rose, Dragon est parti. Comment ça? Attends, on dit Dragon comme envoyé là, c'est chez toi, c'est parti. Aïe. Hein? Je ne me suis pas rendu compte. Mais, attends, s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour que le dragon aille chez toi, ma chérie? Quoi, je n'ai rien fait. J'ai fait la demande depuis, ça fait plus d'une heure du temps que je fais la demande. Pour me renvoyer le dragon là. Hé, hey, coach, comment j'ai fait pour t'envoyer le dragon là? Oh, regardez où tu es en train de parler là. Tu vois à côté, il y a cadeau. Tu cliques sur cadeau là. Tu vas voir dragon dans ton compte de TikTok. Tu me renvoies mon dragon. Hein. Je clique sur mon compte. Où tu es là, faut regarder à côté là. Tu vas voir, il y a cadeau. Oui, je vois cadeau. Faut cliquer sur cadeau là. J'ai cliqué sur le cadeau. Hein, faut faire défiler. Tu vas voir dragon là-bas. Hey, coach. Qui envoie ce dragon là même? Demande à la personne parce que moi je ne sais pas comment on envoie le dragon là. Non, c'est Rachel qui m'envoie le dragon, ça s'est retrouvé chez toi. Hein? Pourquoi me renvoyer ça? Je fais comment là? Je ne vois même pas le dragon. Comment je... Hey, la fille, elle n'est pas de bonne foi. Hein? Coach, je te jure, je jure sur tout ce que je sais. Coach, je ne suis pas quelqu'un comme ça, je te jure. Bon, si tu ne trouves pas dragon là, il faut envoyer Lionceau. Tu ne vois pas Lionceau là-bas? Attends. Tu n'as pas vu? Attends, je suis en train de défiler, coach. C'est pas grave, c'est pas grave. Le caviar dit c'est pas grave, c'est pas grave. Faut prendre dragon là, c'est pas grave. Hmm?
Coach, désolé, coach, je ne me suis même pas rendu compte, ce n'était pas mon intention. Rachel, pardon, il ne faut plus envoyer cadeau. Quand Rose va descendre, tu vas continuer. Hein? C'est quoi ça, Rose? Coach, je ne me suis pas rendu compte. Ton problème, c'est mes cadeaux, maintenant tu es venu chercher. Non, c'est juste quand ça te va chez toi. Comment tu as fait ça? Non, c'est lui qui s'est trompé. C'est une marmailleuse? Non, peut-être c'est lui qui s'est trompé, coach. Peut-être c'est lui qui s'est trompé. Sinon, moi, j'étais en bas depuis. Ça fait une heure que j'étais en bas. J'attendais que tu me prennes pour que je puisse t'expliquer mon problème. Je n'étais pas là pour prendre tes cadeaux. Non. Quand t'aimes trop, quand les gens t'envoient les cadeaux comme ça, là, je suis très content. Comment je peux te faire ça, coach? Je ne peux pas te faire ça. Il y a la chance, hein. N'envoyez pas cadeau, hein. Parce que Rose, là, je ne sais pas ce qui se passe. Lunettes, tu m'as. Rose, tu as reçu lunettes là-bas? Non, sur ton visage? Je n'ai rien reçu. C'est les gens qui sont en train d'écrire les commentaires. Sinon, moi, je n'ai rien reçu. Mon compte n'est pas monétisé. Moi, j'ai un petit compte. Je n'ai pas un grand compte comme vous. Ah, d'accord. Ce n'est pas grand. Ok. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi ta question? Coach, voici mon problème qui est là, qui me dépasse maintenant, coach. Je ne sais plus comment je vais faire. Et je veux pas être ingrat envers le monsieur. Voilà ma question qui est là. Je veux pas être ingrat parce que c'est lui qui m'a dit. Il te traite bien? En fait, coach, il me traite bien depuis que je suis venue. Il prend soin de moi, mais juste que il vient pas chez moi comme il faut, comme un homme qui est marié avec sa femme. Il passe plutôt beaucoup de temps avec l'autre femme de l'autre côté. Vous voyez? Et moi, je me sens seule. Et toi, la polygamie, ça te convient ou pas? Moi, ça ne me convient pas, coach. C'est la seule chose que je déteste dans ma vie. Ok, donc faut... Tu as t'éclaté, hein? Non. Tu n'as pas encore t'éclaté, hein? Non. Ok. Donc attends, fais tes ménages, tout. Et t'éclate, hein? Et ton. Et puis tu gagnes temps. Ok, ma coach. Pardon, moi, thank you. Tu as compris? Ok, ma coach. Merci beaucoup. Oui, en plus, tu es belle. Tu es jolie. Elle est jolie. Elle est jolie, mais son affaire de prendre cadeau, là, je n'aime pas. Allô?